Pourquoi un bon coach ne donne-t-il pas la solution, mais pose-t-il les bonnes questions? On pourrait penser qu'un coach doit être un donneur de conseils infatigable, quelqu'un qui a toutes les réponses, mais en réalité, le véritable pouvoir d'un bon coach, eh bien, réside dans sa capacité à poser les bonnes questions. Voici pourquoi, eh bien, tout simplement, premièrement, l'autonomie et la responsabilisation. Lorsque vous trouvez la solution par vous-même, eh bien, vous découvrez vos propres ressources en interne. Vous allez renforcer ainsi, eh bien, votre confiance et votre autonomie. Le coach n'est pas là pour vous apporter, mais pour vous montrer que vous avez les jambes, eh bien, pour marcher tout seul. Deuxième point, prise de conscience. Un bon coach vous aide à explorer vos propres pensées, mais aussi à identifier vos blocages et à déterminer les actions à entreprendre. C'est vous et seulement vous qui trouvez la clé. Le coach vous aide simplement, eh bien, à comprendre dans quelle serrure elle doit entrer. Troisième point, la solution personnalisée. Votre parcours est unique, vos solutions le seront aussi. Un coach aide à trouver vos solutions adaptées à votre vie et à vos objectifs. Quatrième point, l'apprentissage, un apprentissage durable. En cherchant vos propres solutions, vous vivez, eh bien, un processus d'apprentissage beaucoup plus profond et durable. Les conseils peuvent être oubliés, ça on le sait bien, mais les leçons que vous apprenez par vous-même vous accompagneront tout au long, eh bien, de votre vie, exactement comme un enfant qui va apprendre, eh bien, tout au long de sa vie. Cinquième point, eh bien, la transformation. Les questions sont le terreau de la croissance. Elles stimulent la réflexion, l'exploration et la transformation. Rappelez-vous qu'un bon coach n'est pas là pour vous donner, eh bien, une carte, mais pour vous aider à devenir votre propre cartographe. Vous souhaitez aller plus loin? Je reste disponible en privé. Belle journée à vous et à très vite.